Eh bien, bienvenue dans ce deuxième volet de nos webinaires week-end. Voilà, je vais essayer de présenter un petit peu mieux les choses que dans le départ en introduction. Donc, ces webinaires sont mis en œuvre par l'Association des archivistes français, l'AF, dans le cadre d'un partenariat avec Wikimedia France, que je remercie particulièrement aujourd'hui, et notamment Xavier Caillot, qui est en charge des relations avec les institutions culturelles et patrimoniales. Voilà, encore un grand merci à nos premiers intervenants, Benoît Desailles et Christelle Monnier, qui nous ont parlé de Palladia, sous-projet de Crotos fait pour le musée Saint-Raymond à Toulouse. On a des très très bons retours. Alors voilà, vous verrez sur la documentation, on a alimenté une page wiki sur laquelle vous pouvez retrouver les réponses qui ont pu être posées, quelques éléments annoncés pendant la présentation et puis des liens pour compléter sur le sujet si cela vous intéresse. Voilà, un grand merci aussi à Gillian Kern, archiviste et Wikimédia Suisse, qui m'aide aujourd'hui à préparer la programmation actuelle et à venir. On vous annonce ça un petit peu au fil de l'eau parce que c'est basé sur le volontariat et la bonne volonté des intervenants qui acceptent notre proposition. Donc, un grand merci à eux. Sinon, voilà, on n'a pas du coup la possibilité toujours de vous annoncer très en amont les séances. Voilà. Aujourd'hui, donc, on retrouve Pauline Berny des Archives nationales, qui sont en partenariat avec Wikimedia France depuis plusieurs années et sur plusieurs projets de Wiki. Voilà, il va vous montrer un petit peu toute la richesse de ces programmes. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je suis Pauline Berny, responsable des médias à la direction des publics aux Archives nationales depuis 2012. Et je gère donc quotidiennement la présence nationale sur les réseaux sociaux, des projets numériques, piloter le Barcamp ou le Hackathon des Archives nationales. Depuis 2013, le partenariat avec Wikimedia France. Pendant cette présentation, je vais d'abord parler de la genèse du partenariat, puis je reviendrai sur toutes les actions menées depuis 2013, comment l'institution cible ce partenariat, puisque c'est une volonté institutionnelle, les actions qu'on mène pendant le confinement, et puis les perspectives d'évolution du partenariat. Je viens de voir qu'on en vient, donc c'est parfait, je continue. Alors tout d'abord, je voudrais vous rappeler ce que sont les archives nationales, pour ceux qui ne connaissent pas les archives nationales. Donc c'est un service à compétence nationale, un SCN, qui conserve les archives des services centraux de l'État, et donc il conserve ces archives du Moyen-Âge, d'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui. Il y a également des fonds privés et le minutier central des notaires de Paris, sur le site de Paris. Les archives nationales sont notamment en charge de la prise en charge et de la conservation et de la communication au sein des archives, qu'elles soient papier ou numérique. Aux archives nationales, vous pourrez donc trouver des papyrus mérovingiens, mais également des discours des présidents sous la Ve République. Au total, les archives nationales conservent 350 kilomètres linéaires d'archives et plus de 50 téraoctets de données nativement numériques. Alors, je vais vous parler rapidement de notre base qui est la salle des inventaires virtuels. Cette salle des inventaires virtuels qui est accessible en ligne depuis notre portail permet d'avoir accès à nos instruments de recherche et plus de 1 million d'images numérisées en ligne. Ce qui est aussi important, c'est que depuis 2017, il y a un principe de gratuité pour la réutilisation des documents. En gros, le principe de gratuité concerne tous les documents. Tous les documents, pardon, librement communicables, et donc ils sont librement communicables pour tous et pour ceux qui ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle. Et on a mis en place
depuis 2017, on a adossé à la SIV un réseau OAI PMH. Alors, la genèse du partenariat. Comment le partenariat avec Wikimedia France est né ? Donc, fin 2012, juste après mon arrivée aux Archives nationales, on a constaté que pas mal de collègues contribuaient en leur nom propre, en lien avec les fonds conservés aux Archives nationales, sur de nombreuses notices sur Wikipédia. Mais que toutes ces contributions n'étaient pas centralisées. Donc on a réfléchi à une manière de centraliser nos actions et surtout de les contractualiser avec Wikimedia France. Donc fin 2012, on a rencontré le président de Wikimedia France et donc en 2013, après avoir travaillé avec le service juridique, pas mal d'allers-retours avec notre service juridique, on a rédigé une convention de partenariat. On l'a donc signé en juin 2013 aux Archives nationales sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, nouvellement ouvert. En 2015, la direction a souhaité renouveler la convention de partenariat avec Wikimedia France, donc depuis 2015, reconduite tous les 3 ans. Voilà. Donc, ce partenariat avec Wikimedia France s'inscrit bien sûr dans une politique plus globale de production d'ouverture des données. Comme je vous mentionne par exemple la gratuité pour la réutilisation des documents des inventaires. Alors, je vais revenir sur toutes les actions qu'on a menées depuis 2013. Dans certaines actions, des collègues qui travaillent avec moi quotidiennement sur le pas. Dont Maïwenn Bourdi, qui est, je crois, derrière son écran, je la salue, et qui va, à la fin de la présentation, m'aider à répondre aux questions, s'il y en a, surtout avec la plateforme Wikidata, puisque c'est elle qui contribue sur cette plateforme. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on répondra à la fin de cette présentation. Concernant les contributions sur l'encyclopédie, Wikipédia. Donc dès 2013, la signature du partenariat, on a donc décidé de modifier de nombreuses notices sur Wikipédia. Donc aujourd'hui, on a fait plus de 500 modifications sur les différentes notices avec les comptes des Archives nationales. Je dis bien les comptes parce qu'en compte, je vous expliquerai après pourquoi. Donc, on a fait des modifications sur des notices de grands personnages de l'histoire de France, de grands événements de l'histoire de France quand les Archives nationales conservaient les documents. Par exemple, à partir des archives privées, il y a eu un gros travail qui a été fait en 2014-2015 pour mettre à jour plus de 8 notices en lien avec les fonds des archives privées. Je vais vous montrer quelques exemples qu'on a modifiés. Globalement, ce qu'on a modifié, on a essayé de les sourcer en mettant des liens sur des inventaires virtuels, la SIV. Donc quand cela arrive et quand un inventaire était en ligne, quand les images numérisées étaient en ligne. Exemple pour le phare de Cordouan. Voilà. On a ajouter une mention ici en bas de page avec un lien sur la salle des inventaires virtuels. Ça rame un peu. Voilà, vers le fond qui concerne les registres de procès-verbaux, séances de la commission des phares et balises. On a également ajouter un lien ici vers l'instrument de recherche des cartes et plans. Qui mentionne le phare de Cordouan et qui mentionne surtout la côte où on peut trouver des documents en lien
ce phare. Voilà. Alors, donc, on l'a fait pour le phare de Cordouan, mais on l'a également fait sur la notice d'Eugène Viollet. Ici, vous avez un lien direct vers la salle des inventaires virtuels. Sur l'inventaire des archives du ministère d'État dans les travaux monuments historiques. Avec une mention d'Eugène Viollet-le-Duc. Voilà. Alors, on a également fait ça sur des grandes notices, très, très, très consultées. Donc, sur la notice, par exemple, de Napoléon Ier, on indique que les papiers de la famille sont conservés aux archives nationales de fonds privés, le fonds Napoléon, et dans le fond Bonaparte. Donc voilà. Donc si vous allez sur le lien, là aussi vous avez accès au fond sur la salle des inventaires virtuels avec toutes les informations de l'inventaire. Vous avez même accès aux détails du contenu et bien sûr aux archives numérisées qui sont associées. Alors, d'autres actions qu'on a menées depuis 2013, c'est l'organisation d'événements avec des bénévoles de Wikimedia. Entre 2014 et 2019, on a organisé 5 ateliers, 4 sur le site de Pierrefitte-sur-Seine et 1 sur le site de Paris, encadrés par un ou plusieurs bénévoles. Donc, pour les agents, le partenariat permet d'aider sur des questions en lien avec les licences et de se former aux différentes règles pour contribuer sur les différentes plateformes, que ce soit Wikipédia, Wikimedia ou autre. Donc, on a eu une quarantaine d'agents qui ont participé, venus avec les bénévoles. Donc, ce sont des ateliers qui se passent sous une après-midi avec deux parties, une partie plutôt théorique où on essaye d'apprendre aux agents les règles sur Wikipédia d'abord, les premiers ateliers concernés Wikipédia. Nous avons ensuite un atelier sur Wikimedia Commons et un dernier atelier, celui de 2019, sur Wikisource. Et puis une autre pratique où on met à disposition des agents des comptes, puis une liste de notices et ils peuvent contribuer soit en ajoutant des liens vers la salle des inventaires virtuels, en cherchant des sources pour pouvoir contribuer sur les notices de Wikipédia. Alors, il faut noter que très peu de contributions ont été faites par les agents eux-mêmes à la suite de ces ateliers. La plupart, les agents revenaient vers moi pour que je fasse moi-même les contributions. Donc, voilà, on reviendra dessus aussi après, mais on peut noter qu'on a mis pas mal de contributions, mais la plupart sont faites par moi. On a également mené d'autres événements en lien avec Wikimedia France, donc l'un qui, comme le Dataton qui a été organisé au Caran en mars 2018. Donc cet événement a été encadré par deux bénévoles de Wikimedia. Pendant une journée, on a eu une quinzaine d'agents qui sont venus et qui ont aligné près de 800 notices de personnes ou d'organismes sur Wikidata avec l'outil Mix and Match, donc un outil qui avait été à disposition par Wikimedia France. Et donc, ça a permis d'ajouter, depuis la notice de Wikipédia, un lien vers la notice de producteur national. On peut, par exemple, je vais vous montrer sur la notice de Simone Veil. Donc, on va sur la notice de Simone Veil et qu'on descend
tout en bas. Lien externe. Dans les liens externes, vous avez un lien direct sur Archives nationales France. Donc, si j'ouvre, comme pour la notice de producteur de la BNF ou d'autres. Et ici, vous avez accès direct à la notice de producteur. Et donc, lors de ce datagon, on a fait ça sur près de 800 notices. Non pas un lien direct depuis Wikipédia, mais voilà. Donc, là aussi, ça permet de mettre en avant nos ressources en ligne. On a organisé, comme je vous le disais tout à l'heure, un atelier Wikisource à Pierrefitte-sur-Seine en avril 2019. Donc cet atelier a été piloté par Philippe Gambette et donc une présentation sur le lien qui est ici. Voilà, donc il y a eu une dizaine d'âges qui sont venus. La plupart ne connaissaient pas du tout Wikisource, donc c'était vraiment essayer de faire les premiers pas, de connaître la plateforme et de voir à disposition aux archives nationales de nombreux documents que vous pouvez transcrire et mettre en ligne sur Wikisource. En mai 2019, on a organisé et accueilli Wikimedia France les journées culture numérique à Pierrefitte-sur-Seine. Donc ces deux journées ont permis des professionnels d'échanger, de se rencontrer pour parler de plein de sujets. C'était deux journées enrichissantes. On a parlé des questions d'open content, d'open data. Donc là aussi, vous avez en ligne toutes les informations et dans la documentation, vous avez la plupart des présentations qui ont été faites pendant les deux jours. Donc je vous invite à les voir, à regarder. C'est très très intéressant. En 2019, on a organisé un dataton Liberty Living Lab, donc c'était notre numérique de l'année, après le Barcamp et le Hackathon. Donc le dataton était à destination des agents, bien que dans la matinée, on a organisé une conférence donc autour du sémantique. On a accueilli donc trois personnes du web sémantique. Et puis l'après-midi, on a fait des ateliers avec les agents pour essayer de prendre en main l'outil OpenRefine. Et il y a l'enrichissement de Wikidata à partir de Légion d'honneur, donc de la base Léonore, et enrichir Wikidata et enrichir la base Léonore avec les informations qu'on peut trouver, voilà, et inversement. Donc cette job a été aussi très intéressante. Et essayer de commencer à créer une culture data au sein des archives nationales. Voilà, donc d'embarquer nos collègues dans tous ces projets. Et en 2020, nous devions organiser demain les journées GLAM à Pierrefitte-sur-Seine. Mais ça a été bien sûr repoussé. Pour le moment, on essaye de Wikimedia France pour essayer de les organiser en fin d'année. Mais certainement des informations à ce sujet. Alors, la troisième action qu'on mène depuis 2014, c'est le téléversement de documents sur Wikimedia Commons. Donc, depuis début 2014, on a effectué 21 téléversements, soit 740 pages de documents, qu'on a mis sous la catégorie médias contribués à l'Archives nationales France. Alors en parallèle, on a créé d'autres sous-catégories, mais la catégorie mère, c'est celle-là. Donc on a essayé de mettre tout d'abord des documents emblèmes d'Archives nationales, le serment du jeu de paume, la guerre de Marie-Antoinette, la constitution de 1958, vraiment emblématiques, qui pouvaient illustrer des très consultés sur Wikipédia. Donc ça, c'était les premiers téléversements. Puis, on a décidé de mettre en ligne des documents numérisés du fond, le fond du musée, donc qui est aussi... La plupart des documents sont disponibles sur une base de données qui s'appelle Archim.
mais on va mettre librement communicable sur e-commerce. Depuis quelques années, on met des documents présentés dans les expositions, donc d'où les sous-catégories en lien avec les expositions, je vais vous montrer tout ça ensuite. Et puis, dernièrement, on met en ligne des documents qui ont été utilisés dans le cadre de campagnes de numérisation et mis en ligne sur la SIV. Donc, on fait une sélection de documents qu'on met en ligne sur Wikimedia Commons. Donc, je vais vous montrer, exemple, pour commencer, la catégorie. Voilà, donc dans cette catégorie, vous voyez tous les téléversements, tous les documents qui ont été mis en ligne par les archives nationales. Donc, les documents de toutes les époques. Une photo de notre directeur. Voilà. Vous avez ici des sous-catégories qui vous permettent d'avoir accès aux documents des expositions. Donc là, c'est l'exposition 68, les archives du pouvoir. Donc pour la plupart, bien sûr, tous les documents qu'on met en ligne sont des documents qui sont présentés lors de l'exposition, qui sont des documents archives nationales et pas de près des autres institutions qui... Voilà. Des documents qui sont librement réutilisables. On a fait la même chose pour la dernière exposition, la des Lumières, pour Présumé coupable, ou Dessiné pour bâtir, ou l'expérience du chaos. Voilà. Donc, tous ces documents, je vais prendre par exemple. Un billet trouvé sur un enfant abandonné. Voilà, vous avez des informations. Vous pouvez télécharger le document, le partager. Alors, on s'est aperçu que le téléversement d'images a permis une vraie visibilité pour nos documents et nos fonds d'archives. Depuis 2014, les documents mis en ligne sur Wikimedia Commons comptabilisent plus de 250 000 vues directes par mois. Et certains fichiers sont utilisés pour illustrer Wikipédia dans plus de 40 langues. Je vais vous montrer par exemple le sceau de Philippe Auguste, qui est notre best-seller. Voilà. Donc ce document, qui est très joli, c'est un sceau en effet, est bien référencé. Vous avez un lien directement vers la base d'informations. Et donc, ce document, il est utilisé dans tous ces fichiers, il est utilisé dans plein de langues, en anglais, plein de notices en anglais, en espagnol, en coréen, en japonais, donc, tous les 250 000 vues en direct par mois. On est très content que nos documents soient utilisés sur autant de notices. Ça permet une vraie visibilité qu'on n'aurait pas par ailleurs. Alors, une autre action qu'on mène depuis maintenant plutôt 2015, tout de suite à la transcription sur Wikimedia. On a d'abord travaillé sur Wikipédia pour Wikimedia Commons, mais donc à partir de 2015, on a travaillé avec un collègue qui transcrivait les documents anciens sur Wikisource. Donc on est parti de nos documents
qu'on a mis en ligne sur Wikimedia Commons, qui étaient peu accessibles, parce que la plupart du temps, c'était des chartes médiévales en latin, donc très peu accessibles au public, et donc on a transcrit ces documents. Donc, je vais vous montrer un exemple. Vous avez par exemple ici. Cet acte, donc cet acte de 1388. Voilà. Et donc, si vous voulez voir la transcription, on a mis un bouton depuis Wikimedia Commons pour accéder directement à la transcription sur Wikisource. Vous avez la transcription qui a été validée, car relue par deux Wikisourciens et accessible à tous. Donc, en 2015, on a travaillé avec une personne en interne et on a 20-25 transcriptions. Donc, vous pouvez les retrouver directement. Page. Alors attendez, je retrouve. Je vais vous montrer la page. Sur laquelle tous les documents qu'on transcrit sur Wikisource. Accessible. Donc, on a créé une catégorie ouvrage issu du partenariat avec les archives nationales. Et là, vous retrouvez tous les ouvrages. Alors, ce ne sont pas des ouvrages, ce sont des documents d'une ou plusieurs pages qui sont donc accessibles ici et que vous pouvez consulter. Alors, je dois vous avouer que quand on a décidé de transcrire et participer à la transcription sur Wikisource, rencontrer un Wikisourcien pour lui poser certaines questions parce que jusqu'à présent, il y avait des prises d'archives qui avaient participé à la transcription sur Wikisource. Donc, on a dit qu'on pouvait le faire et que c'était en effet possible de mettre des documents manuscrits et des documents d'archives sur Wikisource à transcrire. C'était peu entrer dans les mœurs, les Wikisourciens transcrivaient jusqu'alors peu de documents d'archives. Mais en effet, on a pu, en respectant les règles de transcription et en essayant de respecter les règles de la communauté, transcrire une vingtaine de documents. Et puis là, en période de confinement, je reviendrai dessus, mais on a relancé ce chantier. Donc voilà, au début on a eu quelques écueils, on a essayé de discuter avec le Wikisourcien pour savoir si c'était possible, si on pouvait le faire, et puis on s'y est mis et donc on a transcrit entre 2015 et 2016, 2017, une 25 documents. Et ensuite ce projet a été mis un petit peu à l'arrêt. Alors, en ce qui concerne Wikidata, je dois vous avouer que je suis aux Archives nationales et Maïwenn Bourdic, qui travaille à la direction des fonds, contribue plus que moi au nom des Archives nationales sous le compte Archives DJI. Et donc, la plupart des contributions faites par ce compte. Donc, depuis 2017-2018, elle a renseigné la propriété archivée par sur de nombreuses notices Wikidata. Donc, par exemple, je peux vous montrer
ça marche. On va reprendre cette veille. Ici, un petit peu plus bas. Vous avez ici archivé par et la mention archive nationale avec le lien vers le fond, son fond en archive privée. Alors c'est pas forcément pratique pour nous parce que elle a aussi contribué dans de nombreux fonds dans les archives publiques, mais on ne peut pas tout référencer. Donc on a mis principalement le lien ici vers la salle des inventaires virtuels. Concernant son fonds privé. Voilà. Maïa a aussi fait un gros travail de mise à jour et de consolidation des données pour une liste d'autorités diocésaines, puisqu'elle a travaillé sur un projet en lien avec les cathédrales. Et donc, ce projet cathédral, qui lui a pris de nombreuses années, elle a fait un gros travail sur Wikimedia Commons avec le chargement de nombreuses images et également sur les data. Je vous invite à aller sur son site, puisqu'elle a fait une présentation en mars 2019 lors des journées Wikimedia à l'INHA. Elle a présenté tout ce travail et que c'est très intéressant. Je vous invite à aller voir le cheminement, comment elle a mis en place ce projet aux archives nationales. Elle a également ajouté en masse identifiant réseaux sociaux manquants sur les archives à partir des données disponibles sur Dataculture et la création en masse des services d'archives communaux et régionaux inexistants à partir d'OpenRefine. Elle fait un travail d'enrichissement super important. Elle a également, alors là je l'ai un petit peu aidée, l'été dernier, à créer des éléments sur Wikidata. Elle l'avait fait pour les travaux de restauration cathédrale au 19e. Moi je l'ai également aidée pour un grand document de l'histoire de France qu'on avait versé sur Wikimedia Commons. Et donc créer dans Wikidata les éléments. Donc, par exemple, je peux vous montrer dans Wikidata. Donc, j'ai pris un architecte diocésain, donc Eugène Millet. Désolé pour la connexion. Donc là, si vous allez là. Donc sur la notice d'Eugène Louis Millet,
elle a indiqué archivé par Archives nationales avec le lien vers l'inventaire. Voilà. Et donc, évidemment, créer un élément Wikidata pour cet architecte diocésain qui n'en avait pas forcément et toutes les informations liées que vous trouvez ici. Donc c'est un travail super intéressant et très important pour les archives nationales. Je dois avouer que vraiment, pour ce pan des contributions sur Wikidata, elles m'aident beaucoup. Je vais revenir maintenant sur un grand événement en 2020 aux archives nationales. On a la chance d'accueillir alors un Wikimédia en résidence et plutôt un stagiaire Wikimédia, Pierre Tribou, qui est élève conservateur de bibliothèque à l'INET. Et donc, il est venu pendant un mois, en janvier, pour faire son stage aux Archives nationales. Et pendant cette période, il est avec moi pour essayer de faciliter le travail des futurs contributeurs en mettant en avant tous les projets qu'il y a depuis 2013 par les Archives nationales. Donc pour cela, il a une page, alors il a repris la page projet qu'on avait créée en 2015. Donc voilà le projet. Elle ne ressemblait pas du tout à ça à la base. Donc Pierre vraiment a mis en avant toutes les actualités du projet, a mis en avant à faire pour essayer de permettre aux contributeurs et aux bénévoles de participer et puis mettre à disposition pour les agents qui souhaiteraient contribuer des aides, des conseils, des outils. Voilà. Donc ça a été vraiment une page qui a été mise à jour entre janvier et février, qui est une page très importante pour la suite du partenariat. Et en parallèle, il a également créé une page, donc une page qui permet, là qui est plus à destination du grand public ou de la presse, pour mettre en avant donc, l'action qu'on a menée, avec une revue de presse en dessous, que vous pouvez, voilà, avec des liens vers tous les articles qui ont été faits depuis la signature du partenariat, les actualités. Voilà, donc ces deux pages sont vraiment des ressources très importantes mises à notre disposition et qui permettent également de mettre en avant le partenariat et de rendre visible tout ce qu'on avait fait depuis 2013, que ce n'était pas le cas. Il a également mis à disposition des outils pour analyser les contributions. On en avait certains, mais il nous a montré quelles pages étaient plus importante que d'autres, pourquoi contribuer sur certaines pages, quelle était la visibilité qu'on peut avoir en contribuant sur telle et telle page. Et puis, il a aussi permis de renforcer nos liens avec la communauté des Wikimédias. J'en reparlerai ensuite, mais voilà, on est passé par là pour travailler, essayer de connaître d'autres Wikipédiens. Et essayer de nouer des liens pour la suite. Alors, je vais essayer de répondre à une question que vous pouvez vous poser si vous êtes aussi dans une institution culturelle et que faire un partenariat avec Wikimédia France. Comment ce partenariat est rendu possible grâce à l'institution, par l'institution? Donc, il faut savoir que ce pas a été mené dès 2013 par le directeur des publics. C'est vraiment soutenu par la direction. En 2015, la nouvelle direction a souhaité renouveler ce partenariat, re-signer un partenariat. Donc, ça a été vraiment un moyen fort de monter un projet et important pour l'institution. Certaines actions sont inscrites dans le programme scientifique, culturel et éducatif de l'institution,
Donc on incite les agents, lors de la valorisation, à contribuer sur Wikipédia s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. Une autre chose importante, c'est que 30% des temps plein sont pour piloter. Donc moi, j'ai 30% de mes missions pour le pilotage du partenariat. Donc ça, c'est aussi très important, puisque avoir un lien direct avec Wikipédia France, de nouer et organiser des événements, suivre, et puis en interne, de pouvoir essayer aussi de poursuivre et d'engager de nouveaux projets avec les collègues. On a mis en place en interne depuis 2014 des Wikimédia au sein de la direction des fonds. Donc dans chaque direction des fonds, il y a des collègues qui sont bénévoles pour être pilotes au sein de leur direction sur ces questions de partenariat avec Wikimédia France. Il y a une vingtaine d'agents qui ont répondu présent. Donc voilà, je peux me tourner vers eux si d'avoir des besoins pour contribuer, et eux peuvent se tourner vers moi aussi et faire un relais auprès des agents pour essayer de les engager pour participer et essayer qu'on ait de plus en plus de volontaires. J'organise des réunions 2-3 fois par an avec ces référents pour pouvoir partager l'info et essayer de garder du lien aussi en interne, qu'ensuite, on redescende jusqu'aux agents pour qu'ils puissent contribuer. Et de faire une veille des contributions, de les centraliser, bien sûr, de faire une veille statistique pour donner des chiffres à la direction et montrer que ce partenariat permet une vraie visibilité de nos fonds. Prise de conscience déjà depuis de nombreuses années, mais on voit encore aujourd'hui que ce partenariat apporte une vraie pour l'institution. Et puis, on souhaite monter en compétence des agents sur des questions en lien avec le numérique. Donc, ce partenariat peut participer à cela. Je vais revenir maintenant sur les actions menées pendant le confinement. Puisque depuis donc mi-mars, la direction a décidé de proposer à tous les agents du travail de participer à des projets participatifs. Donc il y a d'autres projets participatifs qui sont engagés aux Archives nationales en lien avec les fonds, dont le projet de transcription de documents sur Wikisource. Donc, la communication interne a envoyé un mail à tous les participants, pour leur proposer de participer à la contribution. Nous avons eu 7 agents qui ont répondu présent, et depuis, on atteint une trentaine de documents transcrits sur Wikisource. Donc, j'ai peut-être dessus tout à l'heure, mais j'ai dû le fermer entre temps. Bon, je vous remontre la page. Parce que donc, pas mal d'agents se sont emparés de documents beaucoup plus contemporains et donc ont commencé transcription de documents comme par exemple de Pasteur à Napoléon III, qui est manuscrite mais pas ancienne. Alors, celle-ci par exemple est à valider puisque notre collègue a dû la faire avant-hier je crois, donc elle a été corrigée mais pas encore validée, donc relue par un autre wikisourcien. Vous avez également, par exemple, un document ici qui est aussi plus contemporain, une lettre
qui est l'expédition sur le géographe. Et donc, voilà, celle-ci a bien été validée. Donc, c'est super important parce qu'on s'aperçoit que grâce, entre guillemets, bien sûr, à cette période de confinement, des collègues se sont emparés de ce projet et ont donc contribué à la transcription et mis en ligne en un mois, plus de 30, en 3 ans. Donc on est très content. On espère que ça va tout bien, qu'avec l'émission quotidienne, ça ne va pas être forcément possible. En tout cas, là pour le moment, c'est plutôt très positif. En parallèle, on met également sur Wikimedia Commons l'intégralité des documents que vous trouverez dans la rubrique Un jour de savoir sur le portail web. Donc, sur le site des Archives nationales, depuis la période de confinement, on a décidé de mettre à disposition du grand public des documents, tous les jours un document différent, en lien avec l'exposition La police des Lumières, qui est actuellement fermée, ou des grands documents. Alors aujourd'hui, vous avez une lettre de Paul Verlaine, par exemple. Et donc le document, pas très lisible, et donc on a le document qui est mis en ligne sur Wikimedia Commons dans la rubrique Documents de l'histoire de France. Et là, vous pouvez lire le document. Voilà, il est lisible, il est en bonne qualité, il est en haute définition. Là, c'est... voilà. Aussi. Et vous pouvez également transcrire le document. Là, pour le moment, il n'est pas encore transcrit, mais si quelqu'un est bénévole. Voilà, donc pendant cette période de confinement, on s'est également servi de ce partenariat pour mettre en avant, valoriser les fonds et mettre à disposition du grand public des documents très visibles et en bonne qualité. Et donc, dernière des initiatives d'agents dans le cadre du confinement, j'ai certainement vu passer l'initiative concernant le projet Exposition des Archives Nationales. A fait dernièrement un billet de blog sur son blog Patrimoine et Numérique, qui explique comment elle a fait pour mettre en ligne sur Wikidata des éléments à partir donc de tous les documents qui ont été mis en ligne dans la catégorie Exposition des Archives Nationales. Et dernièrement, j'ai eu collègues qui m'ont proposé de préparer un fichier à téléverser sur Wikimedia Commons avec des documents issus de demandes de production. Donc, ils sont en train de mettre en place un fichier avec les métadonnées pour qu'on puisse ensuite le téléverser avec l'outil Patreon à la fin du confinement. Donc, un fichier avec grands documents qui pourront être téléversés sur Wikimedia Commons. Donc on est très heureux de toutes ces initiatives qui permettent de poursuivre le partenariat. Je vais maintenant aborder les perspectives d'évolution du partenariat, puisque depuis donc maintenant 2013, on a organisé pas mal de projets, on essaye de les poursuivre au quotidien. On s'est aperçu vraiment avec la venue du Wikimédien en résidence Pierre Tribou en début d'année,
qu'on avait besoin de créer du lien avec la communauté des Wikimédiens. On envisage d'organiser des événements récurrents, type éditathon avec la communauté parisienne ou la France entière. Donc là, c'est vraiment une volonté pour faire venir les Wikimédiens dans nos murs, pouvoir leur expliquer tout ce qu'on fait, les leçons à leur disposition pour pouvoir les réutiliser sur les différentes plateformes et projets de Wikimédia. On s'est aperçu aussi que la venue de Pierre avait permis de mettre en œuvre tous les projets qu'on mène depuis maintenant 6 ans. Voilà, donc en un mois, il a fait un travail exceptionnel. Donc on aime pouvoir accueillir un Wikipédien en résidence pendant 3 à 6 mois pour pouvoir faire le travail qu'il a mené. Et puis, on a pris l'initiative d'inviter la communauté aux expositions pour leur permettre donc de prendre des photos et ensuite de mettre en ligne les contenus sur Wikimedia Commons et ensuite d'enrichir l'encyclopédie Wikipédia. Donc on avait organisé une visite pour les Wikimédiens de l'exposition La police des lunettes. Cette visite a été reportée, donc voilà, ces mises, ils seront accueillis dès que l'exposition pourra réouvrir, et on va organiser ça pour toutes les prochaines expositions aux archives nationales. Le but vraiment, c'est de créer du lien, de parler avec la communauté, nos agents, nos collègues, voilà, plus poser leurs questions, plus avoir accès à tout ça grâce à la communauté Wikimedia. D'autres perspectives d'évolutionnariat, donc poursuivre la mise en ligne de sources sur les notices Wikipédia, que c'est... Alors, je ne sais pas si... poursuivre la mise en ligne de sources sur Wikipédia, donc c'est-à-dire qu'on sait que les liens vers la SIV permettaient d'avoir le nombre de personnes qui allaient sur notre SIV grâce à sur Wikipédia. Donc Wikipédia est la source d'entrée vers notre salle des inventaires virtuels. Donc voilà, ça permet de poursuivre nos efforts. Mettre en ligne des transcriptions de textes contemporains sur Wikisource. Donc on l'a commencé avec le confinement et on espère continuer au maximum. Téléverser des documents d'autres grandes histoires de France, comme la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que pour le moment, il y a aussi le problème des droits sur certaines images. Donc, faire attention avant la mise en ligne. Donc on envisage ça. Et puis pour un autre projet vaste, la possibilité avec le service éducatif sur le projet Wikiversity, qui est destiné à accueillir et développer des contenus pédagogiques libres et communautés pédagogiques de tout niveau. Là, c'est aussi en pourparlers éducatif, mais c'est un autre projet qu'on va certainement engager, j'espère, l'année prochaine. Alors, j'ai ajouté des liens dans la dernière page, voilà. Pour conclure, je vais vous dire que ce partenariat est vraiment positif pour les archives nationales. Néanmoins, si vous souhaitez vous lancer, il faut quand même être sur la direction et avoir une ou deux personnes ressources au sein de l'institution pour pouvoir gérer les projets et être un interlocuteur avec Wikimedia France qui est très présent et qui répond très bien. Mais voilà, donc c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec MyWen, m'aide beaucoup sur plein de projets, et donc c'est vraiment nécessaire d'être au moins deux pour gérer tous ces projets au quotidien. Je vais maintenant essayer de répondre à vos questions. Je vais aller sur...
Si, hop, on va avoir des questions. Alors, pourquoi ne pas avoir utilisé le modèle site archive pour mettre les liens vers les inventaires d'archives dans Wikipédia? Alors, en effet, je crois que ce site archive, je ne suis pas sûre, mais a été créé il y a quelques mois ou un an. Je me trompe peut-être, mais nous, en tout cas, les liens qu'on a fait vers les archives, on les fait depuis 2014. Alors, il s'est posé la question et il y a eu pas mal de discussions avec la communauté pour savoir où on mettait nos liens, dans les ressources externes, on faisait des références, voilà. Donc, on a pris le parti de le mettre dans liens internes, voilà, avec une phrase toujours la même. On a former les agents pour mettre dans chaque liste la même phrase au même endroit. Mais en effet, nous pourrons envisager d'utiliser ce modèle. Voilà, c'est une bonne chose. Alors, je crois que j'ai d'autres questions qui ont été posées directement sur Twitch. Alors, Wikimedia Commons a plusieurs modèles de description des images versées. Utilisez-vous un modèle spécifique pour les téléchargements? Alors, pour les téléversements sur Wikimedia Commons, nous, on a utilisé d'abord l'outil Commons. Et ensuite, l'outil Patipan. Donc, on fait un fichier de métadonnées, on prépare les images et on les verse en lot avec catégorie Media Contributed by Archives Nationales France et souvent une sous-catégorie. Là, on s'est aperçu avec Pierre Tribou qu'il y avait aussi un travail de création de nos images puisque nombreuses d'entre elles n'étaient pas forcément très bien catégorisé et donc utilisé dans les notices Wikipédia qui correspondaient. Donc voilà, il y a aussi un travail de catégorisation important. Alors, l'outil Commons permet... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Ah, il y a une question qui me dit, est-ce que les agents d'enseignement ont aussi du temps dégagé pour ces contributions? Oui, ils n'ont pas un temps indéfini, mais s'ils souhaitent des images sur Wikimedia Commons ou valoriser des fonds sur les différents projets de Wikipédia, ils le peuvent. Ben a fait pour le projet cathédrale ça pendant son temps. Donc, voilà. Continue à verser des images pendant le confinement, oui, on continue à verser des images pendant le confinement et à mettre en valeur notre rubrique quotidienne Un jour, une histoire, tous les documents de cette saison sur Wikimedia Commons en espérant qu'ils soient ensuite transcrits sur Wikisource. Alors. Est-ce qu'on a des stats de l'arrivée depuis Wiki? Moi, je sais en effet que on accède à l'ASIV par Wikipédia. C'est la troisième source d'entrée. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme information et comme stats. Une feuille de route des versements, si oui, sur combien de temps? On n'a pas de feuille de route vraiment, enfin, c'est en fonction des pépites qu'on peut trouver, des propositions qui vont être faites, des campagnes de numérisation, des propositions des collègues. Avez-vous eu quelques frictions immédiates lors de vos interventions? Beaucoup de discussions. En effet, en 2012, quand on a créé notre compte Archives nationales et mis à jour la notice Wikipédia Archives nationales France, on a eu notre compte bloqué quelques jours au début. Voilà, on ne connaissait pas les règles de la communauté, on a contribué et on arrivait avec nos gros sabots, on a discuté et ensuite ça s'est arrangé. Voilà, concrètement, avec la communauté, on est très en lien avec les Caillots qui s'occupent des GLAM à Wikimedia France et donc quand on a une question, moi je le contacte directement. Il y a une fois un collègue qui a pas mal de contributions et les contributions ont été parce que c'était des contributions en masse et des liens vers la salle des inventaires virtuels. Il a fallu faire comprendre qu'on mettait à disposition et que notre but n'était pas un but commercial. Juste, on ne voulait pas renvoyer les gens vers notre salle des inventaires virtuels absolument, on voulait juste mettre à disposition des sources vers des documents d'archives et des fonds d'archives. Oui,
en effet, Xano, c'est la personne à contacter pour lancer des partenariats avec Wikimedia France dans les institutions, si vous le souhaitez. Pourquoi je conseillerais de commencer pour la contribution ? Alors, pour avoir une visibilité et un retour très rapide, contribuer sur Wikimedia Commons en mettant des images qui vont ensuite illustrer des notices sur Wikipédia et donc vont avoir un retentissement et un nombre de vues très important. Travaillez-vous sur l'article des archives en lui-même ? L'article Archives de France, il y a une veille qui est faite. On essaye de le mettre à jour. Quand on a eu Pierre qui est venu pendant le mois de janvier, veillé aux archives, on l'a revu ensemble. Voilà, donc on dit qu'il était plutôt bien complet, mais peut-être un peu trop. Il faudra veiller à peut-être le scinder en plusieurs articles, on ne sait pas encore, mais on fait en sorte que les informations qui sont sur la page, la notice archive, soient des informations à jour et vérifiées. Je vois les échanges, en effet, d'autres institutions culturelles ou services d'archives vont se lancer en partenariat avec Wikimedia France, parce que comme je vous le disais, c'est plutôt positif.
Avez-vous des retours de l'international sur ce que vous faites aux archives ? Non, on n'a pas de retour. Alors, national, c'est-à-dire d'autres services. Non, non. Notre visibilité est actuellement uniquement française et pas francophone. Je peux pas vous répondre, je sais pas si dans les pays francophones notre visibilité est importante. Pour le moment, en tout cas, les projets sont soit menés en France par des bénévoles plutôt français, maintenant pour d'autres bénévoles d'autres pays. Bah, je suis très contente que savoir au Québec, on nous suit de près. Nous aussi, on suit de près les archives et les bibliothèques du Québec qui ont partenariat également avec Wikipédia et qui sont très actives. Et à Lyon, en effet, à Lyon, on a travaillé on a répondu en effet à quelques questions qui nous avaient été posées par nos collègues de Lyon pour mener eux aussi à bien leur partenariat. Ils font aussi des choses très intéressantes, plein d'éditatons, et on va revenir vers eux pour prendre exemple sur eux.
Bon, je vois pas d'autres questions. Ah oui, d'accord. La question n'est pas pour nous, puisque nous, aux archives nationales, on n'est pas d'archives privées ou Wikimedia Commons. Donc, il s'agit d'une question pour NatArchive. Bah, je reste à votre disposition si besoin. Je pourrais mettre mes coordonnées en ligne. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, avec d'autres questions, à me recontacter. Et on se retrouve jeudi prochain du côté de Toulouse. Bonne soirée à tous.